Quand le véhicule rentre dans le dispositif, bien s'assurer qu'il est à l'intérieur du dispositif. Donc au besoin, s'il doit faire une petite manœuvre, une petite marche arrière. C'est un contrôle routier de routine, mais pour ces aspirants inspecteurs, c'est une première et pas toujours simple de passer de la théorie à la pratique. Il faut penser à tout, les documents, l'état du véhicule, la conductrice, voir si c'est bien la détentrice du permis, de l'immatriculation, voir si tout est conforme. Et donc voilà, c'est tout chamboule un peu et donc on s'en mêle un peu les pinceaux. Quelles sont les consignes qui vous sont données ? De rester poli, à la fois ferme et... faire toutes les procédures qu'il faut faire, sinon on doit recommencer. Maniement de la radio, vérification des papiers, de l'état des pneus, alcotest, ils sont une trentaine à participer au contrôle, une étape essentielle dans leur formation. Maintenant, la formation agent de police et inspecteur sont en un an, la partie agent est en à peu près 5 mois, et les 7 mois suivants, c'est la partie inspecteur. Et donc ceux-ci sont dans leur... Ils entament leur quatrième mois de formation. Je pense que sur une année complète, la matière peut être vue et peut être en tout cas acquise. Maintenant, la pratique, c'est une autre chose et ça prend parfois plusieurs années. Donc il faut plusieurs années pour vraiment être aguerri au contrôle routier. Je pense, oui, on apprend tous les jours. Mais cela a beau être un exercice, les sanctions et les amendes, elles, sont bien réelles. Certains automobilistes ce matin l'ont appris à leurs dépens.